Ma Mission TV, le miroir du monde. De population, crimes contre l'humanité par déportation, association de malfaiteurs, incendies volontaires, destruction méchante, violation de consignes, tentative de vol. Non. Panique Mongoul. Faïkou. Faïkou. Ok. Nous pouvons aussi dire, ici parmi les prévenus, il y a un honorable, il y a un député national qui vient par devant vous pour des raisons d'éthique et par rapport à ce que la loi exige. Tenant à tout prix à garantir le droit de la défense de toutes les parties, nous sollicitons que ce procès soit à huis clos. C'est une demande que nous faisons. Ma Mission TV, le miroir du monde. Monsieur le Président de la Haute Cour, bonjour. La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comment la police d'audience a dit la chef, Laura et Lima, Tony. L'audience de la Haute Cour militaire. Audience publique. La Haute Cour militaire siégeant en matière répressive déclare l'audience de ce jour ouverte. À nos pieds, repos. Bonsoir, bonjour. Arbo. Repos. Cour militaire, siégeant en matière répressive au premier degré, tient son audience publique de ce mardi 25 mai 2021 dans l'enceinte de la prison militaire d'Ndolo. Il en fait en introduction. RP numéro 017/21. En cause, auditeur général, ministère public et parti civil. Et Tibako Edi Ndito Fubert, Londo Momolo, Mpeya Bonono, Ebonzo Mingwango, Enze Eyembu, Mukoko Membo, Monzali Mukoko, Mkumu Bosoningabato, Bomanda Patrick, Bowamba Bosingia, Boyanga Bwamba, Yamba Mudwami, Okolo Mabonzo,
Moikoli Mbanguti, Musombi Mukasa, Poke Mongoyo, Ekaka Mbela, Monye Tekolo, Eyombi Mokesi, Mopango Boseka, Mabuba Bondamba, Eyombi Bondamba, Ekiti Toma, Mpongo Mbako, Chai Mwangele, Ngamba Kulia, Mapengo Mobamba, Ngamba Londo, Ngeli Ngambaka, Mapwamela Jérôme, Soki Moindo, Bikenge Limwama, Mowango Mosenge, Motuka Bosemo, Wamboka Mopengo, Esambila Mwete, Bakuli Monye, Linga Eyoko, Mpongo Bokembe Florent, Mukoko Bowamba Olivier. Contre, prévenu Mbanga Manzimi Sébastien Rodolphe, Nimba Pele, Mbaka Aleka Jean-Paul, Boboto Mokasa Louis, Mochindi Mwisomi Dominique, Mutumbula Kabolo Paul, Ngamanyi Nimba Camille, Ngili Ngono Joël, Ngwe Mabiala Bosco alias Maman, Mke Nimba Jacobi, Jacobo alias Lianga Kunimba Parkas Talia, Mbieme Milango Santor alias Tonton, Mbieme Mukoko Joski, Mbambe Mandeneli Pierre, Mbembo Longomo Celestin alias Seros, Sakete Enzolo Placide alias Beroza. Crime contre l'humanité par transfert forcé de population, crime contre l'humanité par déportation, association de malfaiteurs, incendie volontaire, destruction méchante, violation de consignes, tentative de vol, détention illégale d'armes et munitions de guerre et usurpation des tenues de la police nationale congolaise. Faites à Kinshasa. Le membre assesseur de la juridiction de Séan, non revêtus de la qualité de magistrat, ont déjà tous prêté serment et la composition est donc régulière et elle peut valablement siéger. Monsieur l'organe de la loi, je constate qu'il y a les organes de presse dans cette salle. Je n'ai pas autorisé la prise des images. Et c'est pas ce qui. La presse dans la salle d'audience n'est pas l'œuvre de l'UMP. Cette presse, à mon avis, doit se conformer au prescrit de la loi, tel que le code judiciaire militaire est pris. Nous avons dit. L'article 231 du code judiciaire militaire dispose, sauf autorisation expresse du président, sur réquisition du ministère public, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou des cinémas, d'appareils photographiques. Alinéa 2. Les contrevenants sont punis d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants, qui peut être prononcée séance tenante. En cas de condamnation, les matériels utilisés et confisqués au profit de l'État congolais. L'article 232 dit, la gestion saisie peut également interdire la diffusion de tout ou partie du compte rendu des débats. Cette interdiction est des droits si le huis clos a été ordonné. Mais
elle ne peut s'appliquer au jugement sur les fonds. L'infraction à l'interdiction ci-dessus est punie d'une circuit pénal de 2 mois au maximum et d'une amende qui ne s'élèvera pas 5 000 francs congolais constants ou de l'une de ces peines seulement. Monsieur le Président, du Sénat de la composition, quel est le libellé de la loi à la matière? À ce qui concerne l'officier ministère public, la diffusion du procès revêt un caractère pédagogique. D'autant plus qu'avec la nouvelle technologie, les personnes intéressées à suivre les procès peuvent ne pas avoir le temps d'arriver ici pour assister, mais à travers les médias, ils peuvent suivre les procès du début à la fin et s'instruire. Et cela a comme avantage de décourager les délinquants potentiels, parce qu'on apprend beaucoup ici à l'audience publique. À ce qui nous concerne, donc pas d'inconvénient que votre office de cour puisse autoriser la diffusion ou le filmage des procès. Nous avons ici. Les événements identifiés auprès du greffier. Et en quelle langue? Vous allez vous défendre en quelle langue? En français. En français. Êtes-vous assisté? Oui. Et les avocats face à terre compagnie. De la loi, je voudrais mettre Nsele Ngomba Alain, Nsele comme la commune de Lancele, Ngomba comme montagne. J'ai eu la lourde charge de coordonner le collectif des avocats de la défense. Je voudrais proposer à votre cour, à votre haute cour, une méthodologie pour nous permettre de ne pas en voir l'engouement des avocats par devant la cour. Je voudrais, lorsque vous allez appeler les prévenus, que vous appelez le prévenu en nombre de 10 pour que nous les adjoignions les conseils pour qu'il n'y ait pas engouement ici. Sauf peut-être en ce qui concerne le prévenu Mbanga ici présent, il sera peut-être assisté de tous les conseils qui sont ici. Alors pour cela, j'aimerais, lorsque les conseils vont défiler par devant vous, qui viennent un à un, ils vont décliner son identité, il va regagner sa place. Comme ça, nous aurons de l'espace et l'aération voulue, compte tenu de tout ce que vous savez, nous avons dit. Qu'on identifie chaque prévenu. Non, patati patata, et après, est-ce que vous êtes assisté? On ne l'a pas encore identifié, on dit, vous êtes assisté par qui? Est-ce qu'il s'agit d'eux, réellement? Nous aurions souhaité qu'on puisse identifier d'abord chaque prévenu pour qu'on puisse savoir s'il a été assisté, oui ou non. S'assurer que tous les prévenus ont été atteints et qu'ils sont dans la salle et qu'ils seront valablement défendu. Enfin interviendra ce que nous nous appelons l'interrogatoire, n'est-ce pas, d'identification. Et là, ils auront directement besoin de l'assistance, déjà connue. Pour ceux qui n'en auront pas, la haute cour militaire sera ce qu'il faudra faire à l'écran. C'est connu des hommes. Donc nous pouvons avancer. On accède à votre proposition, maître, d'appeler par 10 et permettre l'aération de la salle. Mais pour l'instant, pour celui-ci, vous pouvez déjà faire appeler votre comparution. Non, nous attendons. Il peut se rasseoir. Prévenu Nima Pélé. Également, vous allez vous exprimer. Oui, maître Pierre Bokoumou Ismaël. Maître, faites acter votre comparution. En personne assistée. Mbaka Leka. Que ça n'a pas de Kobonayo. Pardon? Pani Kumboul. Aïkou. Aïkou. Ok, on s'en va bien. Yomoko. Pardon? Micro.
Maître Saïkan, la loi lui reconnaît d'abord le droit de se défendre d'abord lui-même, et après on examinera la portée des faits, leur gravité, pour savoir s'il sera à même de se défendre ou commettre l'office un défenseur. Tellement basalé, il faut que je trouve une loi. Mais quand même, l'avocat a zappé. Tellement vraiment, basalé, il faut que je trouve une loi. Ce qui court et lequel est avocat, avocat est athée. Pourquoi pas dans la Chimalangaï? Oui, maître Marie. Donc, nous voulons faire une mise au point. Déjà, nous avons reçu les exploits qui sont dans notre dossier, y compris celui du prévenu qui vient de passer. C'est pour cela que je voudrais dire ceci. Ils viennent parce qu'il doit adhérer à ça. C'est le mandat qu'il vous donne. Ou soit vous avez été commis d'office. Ok. Landa ou avocat. Donc, l'exploit nous a été parvenu. L'original d'ailleurs. Donc, c'est tout à fait normal. Il n'a pas peut-être été. Nous sommes porteurs de l'exploit original. Donc, nous avons le mandat ad litem. Donc, nous l'assistons aussi. On est avocat, Nayo ? Oui. D'accord. Donc, on a Nayo à mon côté. Vous, Olivier ? On a connu ni ? Dingala. Dingala. Avocat ? Oui, vous avez. Lysiline Mbaka. Dingala. Vous êtes avocat ? Oui. Gama, Poutou Poutou. Vous êtes avocat? Oui, vous êtes avocat. Vous êtes avocat? Oui. Vous êtes avocat? Oui. Paris, John Carlos, Alphonse Alpha. Vous êtes avocat? Lingala. Vous êtes avocat? Oui. Vous êtes avocat? Oui. Vous êtes avocat? Oui. Vous êtes avocat? Oui. Lingala. Vous êtes avocat? Oui. Vous êtes avocat? Vous êtes avocat? Lingala. Vous êtes avocat? Bema Zoro. Monokonini. Lingala. Vous êtes avocat? Combien de temps, maman Alphonse? Monokonini. Lingala. Vous êtes avocat? Prévenus numéro 53 jusqu'à 62 sont assistés par leur conseil, Maître Nselengomba Alain, coordonnateur du collectif. Justement avec Maître Tsuo Ngodinzo, avocat au Kinshasa Matete. Consentement avec Maître José Bocconi, avocat barreau de Kinshasa Matete. Kumbo Pai Michel, à la barre. Mankoto Kisisi Adolphe, à la barre. Pai Nkwan Yenè Alobi. Vous en avez un âge. Maman, en 2004. En 2004. Ok. On va me connaître. Lingala. Ngama Gelo. Quand on a eu le côté de l'avant-attente, il faut identification, il faut exactement. Parti civil, monsieur Edi Mako, Edi Ndito, Gilbert. Oui, maître, c'est impossible. Nous avons été un peu surpris par la manière dont la date d'audience a été fixée. Nous avons, les avocats que nous sommes, avons reçu une procuration de certaines victimes pour se constituer partie civile. Et nous allons, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire protéger leur anonymat en attendant que la haute cour puisse prendre des mesures pour leur protection, nous allons déposer la liste des personnes qui se sont constituées partie civile pour l'instant, ou certaines, en attendant que l'on puisse se compléter ainsi de suite. Ça ne sera pas fait la totalité, mais les noms qui seront donnés
avec les moyens qui seront, hein, on comprendra que c'est pour ces personnes-là qu'on sait qu'on peut participer. Nous nous excusons beaucoup de ne pas citer leur nom maître à l'audience publique. Merci. C'est compris, maître. Monsieur le greffier, est-ce qu'il y a la liste de témoins? Il n'y a pas de témoins. Monsieur le président de la... Oui, monsieur le président, nous avons prévu la liste des témoins et des enseignants. Possible que lors de notre déplacement des raisons d'État, le secrétariat n'a pas pu apprêter cela. Pourra l'apprêter et vous déposer pour la prochaine audience. Il y a une cinquantaine de renseignants et témoins qui pourront édifier votre auguste écoute. Nous avons décliné la leur, n'ont pas voulu décliner leur identité ici. Étant donné que les prévenus ici sont attrés par devant votre haute cour pour des faits, je dirais, on ne peut plus grave. Mais ils doivent savoir avec qui ils ont affaire. Certes, on est opposé au ministère public. Nous voulons faire une demande. Si eux, ils pensent que leur sécurité est en danger, nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi demander, puisque l'article 14 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques donne à la personne poursuivie le droit de demander à ce que son procès soit à huis clos. Quelles que soient les matières, nous pouvons aussi dire, ici, parmi les prévenus, il y a un honorable, il y a un député national qui vient par devant vous pour des raisons d'éthique et par rapport à ce que la loi exige. Mais nous devons savoir, vous avez déjà cité Etibako, nous avons entendu. Ils peuvent tout au moins garder leur adresse. Nous l'avons vu dans un procès public ici. Ils peuvent nous dire, il s'agit de monsieur, il décline son identité, il va le dire auprès du greffier. Comme ça, pas venu maître. Nous sollicitons votre honneur par rapport à l'article 14. Nous sollicitons que ce procès soit à huis clos. C'est une demande que nous faisons. Compte tenu du fait qu'ils ont caché leur identité. Nous vous remercions. Nous allons d'ailleurs le mettre dans notre mémoire unique encore. Nous avons dit. Merci pour la parole, votre honneur. Nous voudrions rappeler à la partie prévenue ou aux parties prévenues, nous sommes en matière de crimes internationaux. Donc il n'est pas secret de personne. L'article 68 du statut de Rome qui oblige à la Cour de prendre des mesures propres pour la protection et la sécurité, le bien-être ainsi que la vie privée des victimes et des témoins. Donc, ne pas révéler le nom de partie civile, science tenante, ne viole aucune disposition pertinente de la loi. De deux, dès lors que nous sommes en matière de crimes internationaux, la qualité officielle de prévenu importe peu. Que tu sois député, que tu sois honorable, que tu sois, je ne sais pas, sénateur. Nous sommes dans un procès de crime international. On doit faire la part des choses. Voilà pourquoi il n'y a même pas des immunités quand passé. Nous avons dit. Nous savons pourquoi est-ce que nous sommes intervenus. Nous devons faire la distinction entre les victimes et les parties civiles. C'est très important. Puisque le parti civil, ils sont intéressés par le fait de l'infraction. Mais les victimes sont
les personnes qui ont subi. C'est différent. La loi dont on vient de vous faire allusion ici parle de victimes et les témoins. C'est pour cela que je veux savoir, les personnes qui ont caché leur identité là, sont-elles victimes ou partie civile? C'est ça que je veux savoir. S'ils sont partie civile, on doit les connaître. S'ils sont victimes, ah là, c'est à ce moment qu'on peut faire application de l'article 68 du statut de Rome. Nous avons dit. Merci, madame. Elle était déjà en avance. Merci, votre nom. Ayez vos apaisements. Toutes ces questions seront débattues. Monsieur le greffier, est-ce qu'il y a la liste des objets saisis? Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le premier président, pour la parole. Je trouve qu'il est prématuré, à mon entendement, de présenter ces objets pour autant qu'il y a un problème d'ordre administratif. Nous avons sollicité de votre haute cour que nous soyons d'abord en possession de procès-verbaux. Des procès-verbaux, de l'audition des prévenus, pour que nous sachions répondre, puisque vous allez nous amener des objets ici, vous allez les attribuer aux prévenus, alors que la défense ne peut ne pas le reconnaître. Je suggère à la haute cour, à l'organe de la loi, de nous accorder une remise. De nous accorder une remise dans le seul but d'entrer en possession de ces procès-verbaux, puisque c'est à ce moment-là, lorsque vous allez identifier les prévenus, au besoin, vous allez instruire sommairement pour que nous sachions l'objet côté numéro tel a été saisi entre les mains de. Là au moins, nous saurons nous défendre. Mais nous les présentons aujourd'hui. À quelle fin? Il faudrait, à mon avis, coller les pièces ou les objets saisis à la personne du prévenu indiqué. Ça sera la justice. Je dis cela parce que quand bien même les faits mis à charge de prévenu sont d'une gravité extrême, mais ils jouissent quand même de la présomption d'innocence. Je ne suis pas encore là. Mais j'aimerais qu'il y ait un procès équitable. Et surtout que la Constitution de la République démocratique du Congo garantit le droit de la défense. On ne peut pas les défendre tant que nous ne savons pas quelles ont été leurs auditions. Et nous faisons cette demande-là aujourd'hui. Nous avons. Nous n'allons pas prendre assez de temps, mais dans un laps de temps, monsieur le président, nous aurons compensé les dossiers. Savoir si... On avait sollicité. Bien. En ce qui concerne nous, la partie civile, nous aimerions que la cause soit remise à au moins un mois. Pourquoi un mois? Nous allons écrire pour obtenir la levée copie. On ne va pas nous répondre le même jour. Ça pourra prendre un ou deux jours, ou même plus. Et nous sommes nombreux. Hein? Nous sommes nombreux. Partie civile, comme avocat de la défense. Il y a 89 ou 90 prévenus. Et si on est sérieux, chaque avocat doit avoir copie de toutes les pièces. J'ai été au greffe. Par hasard, c'est un document ou c'est un dossier volumineux.
ou un homme sérieux qui veut travailler sérieusement, qui ne voudrait pas sacrifier les intérêts des autres, doit prendre du temps pour les lire, les comprendre et préparer le nécessaire. Nous pensons, j'espère que mes confrères sont d'accord avec moi, que le minimum de un mois peut permettre à toutes les parties de prendre ainsi de suite. Si on peut aller au-delà, tant mieux. Mais en deçà de un mois, on risque de nous considérer comme des mercenaires dans notre propre pays et contre nos propres compatriotes. Je crois que... Pour avoir suffisamment motivé la demande de remise, la plupart des cas que vous soulevez, l'objet saisi, on est acquis, je crois, il ressort de tout cela que les avocats n'ont pas suffisamment pris connaissance du dossier. Tenant à tout prix à garantir le droit de la défense de toutes les parties et mettre aussi celle-ci en sécurité, il y a lieu que l'on débatte du jour de la remise. Pour les parties civiles, c'est au moins un mois. Pour la défense, 3 semaines, 2 semaines. Pour couper la poire en deux, la Cour va remettre cette cause à la première quinzaine du mois de juillet. Un mardi. Et la première semaine, nous sommes déjà vers la fin du mois de mai. Quand vous parlez d'un mois, nous sommes déjà au mois de juin, au-delà du mois de juin. Vous comprenez ce que vous demandez, monsieur? Je crois que vous comprenez ce que vous demandez. Merci. Vous n'avez rien compris. Soyez à l'audience, ne soyez pas ailleurs. Je reprends. On vous remercie d'abord pour avoir suffisamment motivé la demande de remise en évoquant les différents cas. Et il se dégage de tout ce moyen que vous avez développé que les parties ou les conseils n'ont pas suffisamment compris ces dossiers et qu'il est de bon droit et du souci de cette cour de garantir le droit de la défense et de mettre toutes les parties en sécurité d'accéder à votre demande. Maintenant, il est question que nous débattions de la date de remise. Et j'étais en train de dire que pour la partie ou les parties civiles, la remise doit être au moins, c'est-à-dire plus ou moins dans un mois. Et pour la défense, 2 ou 3 semaines. Et pour couper la poire en deux, la cour remettra cette cause à la première quinzaine du mois de juillet. Sa première... S'il vous plaît, si vous évoluez comme ça, nous allons travailler avec les professionnels de droit en respectant les règles du genre. On finit ainsi, hein, rapidement. Merci, Monsieur le Premier Président. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous renvoyez ça au mois de juillet. Je vois le travail qui nous attend. Avec 74 prévenus... Vous les avez maître Goyard aussi. Non, votre... Mais à la différence que j'adhère à l'option de la quinzaine le mois de juillet, mais je sollicite, puisque nous serons dans la fourchette... Première quinzaine. Puisque nous serons dans cette fourchette-là, nous sollicitons que ça soit le premier mardi du mois de juillet. Et là, au moins, nous avons une date certaine. Puisque quand vous dites, c'est ouvert. Non, ça n'a pas été ouvert, maître, soyez à l'audience. Donnez-nous l'audience, la date du le premier mardi du mois de juillet. Maître, suivez bien la cour. Soyez ici, ne soyez pas ailleurs. Je suis là, votre honneur. La cour a dit ceci. Nous y sommes. Oui, je connais les avocats quand je parle.
au premier mardi du mois de juillet, c'est donc les 6. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour de l'audience de ce jour, elle est donc suspendue. Police audience. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est suspendue. Elle reprendra le 6 juillet. À mon pied, repos. Opposons de mon général. Armoire. Pip. Repos. Merci. Opposons. Ma Mission TV, le miroir du monde.